On est parti chercher la 990R de chez KTM pour l'essayer. Donc on l'a mis aux deux noms comme ça. Là pour le moment c'est monsieur qui est la test. Et après bah, j'essaierai de la tester quand même. Hein. En tout cas moi je trouve qu'elle a de la gueule, elle est trop belle. Je sais pas ce que vous en pensez. Il a pas les mains sur les poignets. Et ça roule. Putain, du coup en fait il a le limitateur ou régulateur de vitesse, c'est génial. Moi je lâche, je roule pas quoi. Lui il lâche, il roule. Et moi ça y est, j'ai ralenti. Tu vas vouloir celle-là. Cette moto est... Non vraiment, je te jure, elle est incroyable. J'en pouvais plus. J'en pouvais plus. Ah non mais elle est... T'as roulé au shifter ou avec les vitesses? Le shifter, elle est incroyable. Elle est incroyable. Et la gueule? Moi j'aime bien. Bon, il n'y a que le feu, je préfère l'ancien, mais vraiment. Dites-moi déjà esthétiquement ce que vous en pensez. J'avais pas vu, il y a des zones de bouche. Pourquoi ça, caméra route? L'écran ça tue quand même. Allez, alors en vrai, moi ça me fait trop bizarre d'essayer une moto qui n'est pas la mienne. Bon, allez, hein. Ça c'est sympa, béquille latérale. Alors déjà, j'aime bien la taille, j'aime bien les fines, j'aime bien les motos fines. Je suis 1m70, je dois pas avoir de très grandes jambes, mais c'est limite par contre. Hein. Je suis quand même sur la pointe des pieds. Là, c'est à plat. Mais ce que je veux dire, c'est que je suis un aplat tendu, quoi. Ouh, j'ai peur. C'est pas ma moto, j'ai peur. J'ai 1500€ de caution, là. Faudrait pas que je la plante. Elle est déjà en première? Ah non, là, elle est en première. Ok. Wow, c'est loin. Ah ouais, par contre, si je recule mon cul de la selle, j'ai les jambes vachement écartées, quoi. Ça paraît pas quand tu regardes. Hein. Oh, c'est bizarre. Waouh. Alors, pour avoir fait la Hornet en passerelle, oh là 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 là, je préfère celle-là. Hein. Je suis déjà tout de suite à l'aise dessus. Hein. La Hornet, j'étais tellement pas à l'aise. Là, franchement, je le suis. Hein. Alors, j'avoue que... Wow. Putain, elle est légère. Elle est vachement légère, c'est un truc de dingue. La position, j'aime bien. J'avoue que Lucas il m'a dit, tu verras, il n'y a pas d'à-coups. Parce que bah, ce que j'aime pas chez la MT, c'est les à-coups. Putain, mais alors là, il y a zéro à-coups au passage de vitesse, quoi. Pas un seul. Ça, c'est juste génial. Ouais. Ok. J'avoue que déjà la MT, un petit coup d'accélérateur, tu pars et là, ça part encore un peu plus vite. Mais la MT, j'ai toujours peur. J'ai l'impression qu'elle serait prête à lever. Parce que j'aime pas justement cette sensation de... Comment dire, elle est brusque. C'est une moto très brusque. Et là, mais alors pas du tout. J'accélère sans avoir peur qu'elle lève, quoi. Pas du tout. Putain, j'avoue que... J'aime beaucoup, 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 beaucoup. Mais alors là... Je kiffe celle-là. J'aime beaucoup, beaucoup. Faut changer le pot par contre. C'est pas assez bruyant. Et l'écran, waouh, c'est une tuerie, hein. Qu'est-ce qu'on y voit bien? Waouh. Putain, l'accélération sans un coup, c'est une tuerie. Oh. Non mais... En fait, je comprends, je suis toujours loin derrière, mais lui, il est loin derrière. Et encore, chaque fois, je me dis, ouais, putain, je galère à faire mes reprises et tout, mais non. Ah, en fait, il faut pas oublier que je suis en A2 quand même. Et là, je roule avec une moto débridée. C'est... Il manque juste de bruit parce que du coup, je me rends pas compte à quelle vitesse je suis. Bon, ça, après le pot, ça change. Hein. Mais wouh, génial. Non, moi, je vais pas rentrer dans le nombre de cylindres, machin et tout. Hein. Non, moi, c'est vraiment la maniabilité, être à l'aise dessus. Et là, je suis très, très à l'aise. La prise en main, franchement, nickel, c'est un truc de fou. Une prise en main, mais directe, quoi. C'est bon, on la garde. Hein. En fait, il faudrait acheter deux motos qui nous plaisent. Comme ça, on se les échange et hop. C'est juste trop bien. Ouais. Ok. Faut vraiment qu'un jour, on les charge quand même les intercoms et qu'on les branche, quoi. De te communiquer comme ça. Ça part tout seul. Bon, alors, par contre... Moi, le shifter, ça me dérange pas d'avoir la main sur l'embrayage. Je sais que ça freine bien, hein. Ça freine bien. C'est le bruit, je m'y fais pas. J'entends la MT derrière. Donc là, je me fais pas un petit bruit rikiki mini, en fait.
Et voilà, il va comprendre pourquoi maintenant je suis toujours loin derrière. Je sais pas si vous voyez. Parce que moi, à chaque fois, je suis loin derrière et j'attends. Je pense que maintenant, il va enfin comprendre pourquoi. C'est pas de la mauvaise foi. Et c'est pas que je sais pas conduire. Alors moi, par contre, je vais pas tester tous les boutons. Hein. Là, pour le moment, c'est la conduite qui m'intéresse. Lui, Lucas, il a testé les boutons en conduisant. Hein. Donc, il a mis régulateur et tout. Mais moi, je le ferai pas. Pour le moment, c'est la conduite. Je regarde droit devant moi. Je vais pas toucher à tout. Plein de modes. Il y a le mode sport et tout, j'ai vu. Après, une fois que tu es dessus, bah voilà quoi, c'est une moto. J'ai pas d'autres sensations autres que sur la MT. Hein. Ouais, c'est waouh parce que il n'y a pas tout ce que j'aime pas sur la MT. Mais Lucas il me dit ouais, limite, il remet en doute d'aimer la 09 et de préférer la 09. Moi, une fois qu'après que je suis sur la moto, je suis sur la moto, ça me change rien pour le coup. Niveau position, tout est pareil quoi. C'est l'entrecuisse, c'est un peu pareil au niveau de la distance et tout. Donc après, une fois en conduite, niveau position, c'est voilà. Je veux dire, c'est pas mieux qu'une autre. Là, tout va se jouer vraiment sur le fait de trouver la moto plus légère, pas d'à-coup, une accélération plus fluide, j'ai pas peur que la moto elle lève. En gros, il faut que je trouve la béquille et tout, quoi. Par tout seul. J'avoue que t'as pas d'à-coup, t'as pas de reprise, t'as rien du tout quoi, c'est fluide. Ouais. C'est fluide. Bon après une fois que t'es dessus, hein, le niveau position et tout, ça me change pas. Bah, super, j'ai aussi, hein. Non, pas moi. Pas par rapport à celle-là. L'écart de jambes et tout, j'ai la même chose. Non, je parle pas d'écart de jambes, moi je te parle du niveau du guidon et du dos. C'est largement plus droit sur ça que sur la tienne. Non, moi non, je trouve pas. Bah bien sûr, si. Ça m'a pas changé, c'est juste tout ce qui est bien, c'est les reprises, les passages de vitesse et tout. Et je la trouve plus légère. Ouais, peut-être qu'elle est plus légère, tu vois. Ah si, tu vois. Ne serait-ce que là, elle est plus lourde, la mienne. Ça fait bizarre. Ah ouais, bon. Maintenant, je coupe, hein. C'est vrai que j'ai les cuisses un peu plus comme ça. De là, à me dire la position plus droite. Ouais. Un chouïa. Franchement, pour moi, c'est vraiment un chouïa. Donc, une moto où tu t'y fais déjà tout de suite, c'est parfait. C'est qu'elle est pour toi. Allez hop, lui il met un petit régulateur et il est bien. Regardez-le. En plus il fait la limitation, passe au compteur. Tranquille quoi. À l'aise. Moi je suis obligé de garder la main et lui il est bien. Oh putain. Ça me saoule quand la vitesse elle veut pas passer. Des fois ça reste bloqué au neutre.